C'est pas volontaire, c'est spontané, tout était spontané en fait. Ah, comme le premier était spontané, c'est la même chose. Le premier il est né où on s'est croisés, on s'est dit viens on fait un titre ensemble. On a fait le titre, on a dit viens on fait un album. On a fait l'album, après on a fait nos bails. Sur mon dernier album qui est sorti en septembre, discret, je l'ai réinvité. On a fini le titre, il me dit viens on fait un deuxième. Il dit pourquoi pas, et puis on ça, a fait ça. Ouais, c'est comme ça en fait. C'est la saison 2. C'est la saison 2, c'est-à-dire que une fois qu'on s'est rencontrés, on a dit ok, une fois qu'on se retrouve en studio, on s'est dit ouais, viens, ouais, quel délire on va faire. Et en gros, sans se prendre la tête, la même chose que la saison 1, mais en éventuellement mieux. C'est éventuellement mieux, c'est-à-dire que directement on a dit un peu plus court et on fait pas deux fois la même chanson, on en fait une seule. Si on fait une chanson Ego Trip, on en fait une seule. Si on fait une chanson un peu par rapport au sentiment, on en fait une seule. Et ouais, y a pas de remplissage. C'est un album éclectique, alors il y a un peu tout. Ouais, il a son propre délire, l'album. Il a son propre délire. Rien qu'au titre, tu peux le voir, yeux blancs, Miss Météo, La La La, Déglingos. Ouais, il a son propre délire. Non, l'album a fait la tournée. L'album a fait qu'on a fait la tournée. C'est-à-dire le fait qu'on ait fait l'album a fait que les gens soient intéressé par nous pour faire des concerts. C'est pas vraiment une tournée, c'est juste des gens qui demandent en concert et les dates alignées, ça fait comme si c'est une tournée, mais en fait. Mais c'est pas stratégique alors d'avoir sorti pendant la tournée. Pour l'instant, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a annoncé qu'on sortait un nouvel album et des tourneurs nous ont annoncé sur des dates. Pourquoi ne pas les faire? Ouais. Donc on peut même appeler ça une pré-tournée, parce que je pense que la vraie tournée arrivera à la rentrée. Ouais. Là il y a pas mal de dates qui fait que ça ressemble à une tournée, mais c'en est pas une, c'est juste des dates là. La vraie, encore une fois, la vraie tournée viendra après. C'est juste des dates de concert comme ça. On roule. Histoire de rester chaud. Voilà, mais comme elles sont rapprochées, on dirait une tournée, mais ça n'est pas vraiment. La vraie tournée viendra après, une fois que la nouvelle est sortie. Yeah. Ok. C'est un morceau qui regroupe un peu tous les feats en fait. C'est le morceau Classic Shit où tu peux retrouver Tito Prince, DC's, Busta et Lino. Ok. Sinon le reste c'est que nous deux. Mis à part quelques petits refrains, chanter peut-être, des petites voix par-ci par-là, sinon c'est que nous deux. Et quand tu réfléchis bien, c'est un peu comme le premier. C'est-à-dire que sur le premier, il y a un seul morceau, Crie mon nom, où il y avait beaucoup de feats, le reste c'est juste Olé Wam. Ouais. Tout simplement. C'est à peu près la même chose. Est-ce que je peux répondre à celle-là? Vas-y mon frère. Le point commun à tous les deux, c'est le lyrics. C'est le fait de vouloir sortir un bon lyrics à chaque fois. D'être bon au micro en même temps. Il s'agit de ça. Ouais, surtout d'être passionné encore. Parce que quand je vois Dan, je sens un artiste passionné. C'est important ça, d'être en studio et que ce soit pas une corvée, parce qu'il faut le faire pour le faire, pour faire de l'argent, pour en vivre. Quand on est en studio, c'est plus un plaisir et le reste c'est du bonus. Tout en étant une petite compétition entre nous, mais une bonne compétition. Ouais, exact, comme quand tu joues avec ton ami au tennis ou bien au football,
attends, je vais te dribbler, non, je vais te dribbler. Non, mais bon, à la fin, on est dans la même équipe, on va les dribbler. Quand il fait ça, tu dis, ah, il a fait ça. Tu dis, faut que je fasse quand même aussi un peu, quand même. Et ça dit que ça. C'est genre, il a sorti un pas, attends, laisse-moi sortir un pas aussi. Voilà, c'est la base. C'est la base. Moi, personnellement, à chaque projet, je me considère comme un rookie. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour perdurer, il ne faut pas vivre sur ses acquis. C'est pas genre, il y a un nouveau projet et je sorte ma carte, mon CV en disant, regarde, j'ai fait ça. Mm-hmm. C'est comme si ça n'existe plus. Ouais. Et tu dois tout reprendre à zéro et refaire tes preuves à chaque nouveau projet. Et c'est ça qui fait que tu te remets en question. Parce que vivre sur ses acquis, c'est une faute. Se dire que voilà, j'ai fait ça, valide-moi, c'est faux. Il faut toujours frapper le fer, il faut toujours frapper le mic. Et à partir du moment où tu sais ça et que tu l'instaures dans ta stratégie, je pense que tu peux que perdurer. C'est comme ça. Parce que le plus dur, c'est pas faire un album. Parce que le premier album, il sera toujours magnifique. C'est toute ta vie que tu regroupes là, tu vois. Ouais. Le plus dur, c'est le deuxième. Après, c'est le troisième. Parce que quand tu as tout dit sur un album, tu te dis merde, comment je le renouvelle? Qu'est-ce que tu fais après? Comment je suis arrivé tout frais avec un nouveau concept? Mais ça, le concept, il est grillé. Tu sais comment, il faut trouver un nouveau truc et tout. Et c'est ça le plus dur. Et il me semble qu'on en revient à une des questions que tu as dit avant. Et genre, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est plus la mentalité. T'sais. Il me semble que je pense pareil. Ouais, c'est un challenge. Ouais. La mentalité, ouais. T'sais, ouais. Et il vient de te dire, à chaque album, t'es un rookie, ceci, cela. Et je dis la même chose. Et je dirais même, chaque couplet, t'es un rookie. Okay. Oui. Premier album, j'ai déjà été fait, oui. J'ai déjà fait ça, des petits frères, chantonné, oui. Vite F, après un morceau. Mais sans trop prendre au sérieux quand même. Si. Ben, se prendre au sérieux, c'est être un chanteur. Ouais, c'est chanter, ouais, chanter, ouais, ouais. Ouais. Je prétends pas être un chanteur, mais j'ai déjà fait des refrains chantonnés. Tranquille. Mais je ferai pas un morceau où je chante tout boutique, parce que je suis pas un chanteur, je suis un rappeur. Voilà. Et il y aura une suite à ce projet-là? Comme on dit, jamais 203. Mais pourquoi la question de la chanson, en fait? Tu voulais en venir où? Je sais pas, il y a pas mal de rappeurs en ce moment, ils se mettent à chanter, soit... Bah qu'ils chantent! Laisse-les chanter! Ah, tu vois, ouais. On est là, on écoute! Dans la tendance, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Écoute, on espère que la note sera juste! Ouais. Il s'agit que de ça! Ouais! Chante! Ouais, ok! Non, c'était pour comprendre, tranquille. Ah, ok, pourquoi tu veux faire une attaque? C'était pour comprendre pourquoi cette question, elle était comme non, ça, tu vois. De suivre la tendance, ouais, de s'adapter au mouvement. Ok, et ok. Il y a pas mal de après, faut aimer, faut aimer. Faut pas le faire parce que c'est la tendance, tu vois. Ouais. Un truc comme ça. Sur le précédent album, tu verras, il y avait un ou deux titres un peu trap. Ouais. Parce que, ouais, c'est la tendance. Et puis, je peux montrer que je sais le faire, et même bien le faire, tu vois. Mais je m'enfermerai pas dedans comme un peu tout le monde le fait, genre ouais, voilà. Un album entier. C'est plus là où je voulais en venir. Ok, ok. Non, c'est-à-dire que si jamais il y a un morceau qui demande à. On chantonne un peu, on chantonne. On est des rappeurs, toutes les manières, on est des rappeurs. Ouais, ok. Ça, c'est une bonne question, ça. Ouais, ça serait Broly. Un truc comme ça. Je savais que t'allais répondre ça. C'est lui le MC suprême. C'est lui le Saiyan de ouf. Non, arrête, non, c'est Sangoku. C'est Broly. Broly. Ou quand il prend la force de tout l'univers là. Ouais, mais Broly avait tabassé Sangoku, tous les boucs, il a fait. Non, moi, vas-y, pas de ouais, mon frère, attends, c'est Broly le bouc. Attends, je sais pas, moi. Il s'appellerait. Danny Hall, non, un truc comme ça. Hey, c'est une bonne question. Ouais. C'est même un titre ça que tu viens de nous donner. Ouais, Danny Hall ou un truc comme ça. Très simplement, la musique doit rester dans la musique. Et c'est très dommage, c'est naze que le mec ait failli perdre la vie, tout simplement. Je pensais pas que la réalité dépasse la fiction.
les gens sont partis. Ce que je viens de dire, on dit la même chose là. Moi je pense que des soucis comme ça arrive un peu partout et tout. Moi ce que je déplore, c'est plus les médias qui à chaque fois que ça arrive dans le Peura, ils en font le numéro des faits divers. Ouais. À chaque fois c'est ça. Chacun son truc, tu vois. Après que le mec soit dans le coma, c'est pas terrible. En tout cas, c'est pas terrible. Chacun son truc, je sais pas si c'était voulu ou pas voulu. Moi, juste, il y a des belles choses qui se font, qui sont pas mises en avant, mais dès que c'est ça, c'est partout, tu vois. Ouais, comme Dan disait tout à l'heure, quelqu'un qui pourrait être intéressé et qui voit ça, comment tu veux qu'il aille à un concert, découvrir le truc, et toi, ça donne une image. On est tous perdants dedans. Ouais. On est tous perdants, donc surtout les médias, ils devraient aussi apprendre à nous cop un peu parce qu'ils aiment nous diaboliser. Au moment où l'un des deux sera une pure chanson, on se dit cela, c'est moins médiatisé qu'au moment où il y a des bagarres. C'est comme si bizarre, c'est eux qui alimentent le truc. C'est-à-dire que ta chanson elle est bien, mais il n'y a pas assez de haine. Ouais. Mets-y de la haine, insulte des gens et on va te hook up. Et c'est nul de rentrer dans cette spirale. Je parle surtout des médias en général, parce que les médias rap, ils relaient quand c'est bon. Ouais. Ils relaient quand c'est mauvais, ils relaient le truc tel quel. Ils relaient tout, ouais. Ouais, ils relaient le truc pur. Mm-hmm. Mais tandis que les médias en général, c'est que quand c'est négatif. C'est que pour diaboliser le truc qui relaie. Sinon, il relaie pas. Mmh. Sinon, il relaie pas. Mmh. Okay. Et même, il n'y a qu'un seul ou deux médias, en général, tout le temps, il y a un seul ou deux médias où, entre guillemets, on passe. On n'a pas beaucoup. C'est-à-dire au niveau de la télé ou au niveau radio Voilà, au niveau de radio, il n'y a pas beaucoup. Et comme ce que Hall vient de dire, ce que Dee vient de dire, c'est-à-dire que quand c'est négatif, tous les médias relaient. Ouais. Bizarre. Je serais devant la télé. Je serais pas au Brésil, mais je serais torse nu devant la télé. Comme ça. Je serais devant la télé. Moi je pense que ce serait une belle coupe parce que la précédente était un peu mitigée avec les histoires de Domenech et tout ça là. Mm-hmm. La rébellion dans le bus et tout. Mm-hmm. Mais là je pense que ça va être une belle coupe du monde et justement elle est tellement difficile à pronostiquer que ça la rend plus belle et plus attendue encore. Et moi j'ai l'impression ça va être comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va être encore plus dur parce que c'est en Amérique du Sud et tous les pays de l'Amérique, les Vénézuéliens, les Honduras, ils vont se déchirer. Je me dis que ça va être un sacré match. Vas-y. Moi je suis un bout des bleus. Hein. En France, Brésil. Après, si bug, je rebondis, tu vois. Je dis France, Brésil, Argentine, voilà mes favoris. Ouais. Ouais. Et si pas d'en choisir personne là. Bon, la France. Ouais, bout des bleus, sinon Côte d'Ivoire, sinon Brésil, tu vois. Voilà, j'ai mes lianes, tu vois. Un rap au poulet. C'est un truc comme ça, yo. Non mais on s'amuse bien, on délire sur ça, c'est cool. Il s'agit que de ça. Pire encore. Yeah.